on a inauguré aujourd'hui la première conférence ou le premier colloque pour la régionalisation avancée. C'est un colloque qui est très important pour nous parce que c'est une étape d'abord d'évaluation. C'est une étape qui nous permettra aussi de faire le bilan sur la mise en place et le déploiement de la régionalisation avancée telle que voulue par Sa Majesté et telle qu'elle a été aussi pensée et aussi, on va dire, écrite dans la nouvelle Constitution. Comme vous le savez, au fait, c'est un mandat réellement constitutif parce qu'on est en train d'asseoir les bases et j'espère des bases solides pour la régionalisation avancée et d'où la nécessité de débattre sur des thématiques qui sont très importantes pour nous, notamment le financement de ces régions, aussi les prérogatives et les attributions des régions, qu'est-ce qu'on veut dire par un conseil régional et quelles sont les attributions de ces conseils régionaux. La loi 111-14 parle bien des prérogatives et des attributions propres, communes et aussi à transférer par la suite. Mais effectivement, il y a un manque de précision dans les textes de loi. Et puis la pratique nous montre qu'il est très important d'aller encore plus dans la précision. Ce qui nous a amené à signer aujourd'hui cette convention cadre entre les 12 régions et les départements sectoriels, au fait, tous avec un certain nombre de membres du gouvernement qui représentent des départements sectoriels, pour justement qu'il y ait un engagement réel de part et d'autre, afin de mettre en place ou en tout cas de définir ces attributions avant la fin de ce mandat, surtout les attributions propres et partagées. On ne peut pas imaginer un nouveau mandat, un prochain mandat, sans justement bien comprendre et bien préciser les attributions. Il y a d'autres sujets bien entendu qui sont très importants, notamment les défis majeurs qui sont forcément la réduction de des disparités sociales et économiques entre régions, qui sont aussi les moyens mis en place pour ces régions, notamment en termes d'administration, en termes de compétences, en termes de gouvernance et bien entendu en termes de moyens financiers. Quels sont les partenariats sur lesquels on peut aller pour aller beaucoup plus vite et finalement quelles sont les relations ou quel type de relations il va falloir mettre en place entre le conseil régional et les autres institutions élues et les départements étatiques pour éviter tous les chevauchements qu'on peut vivre aujourd'hui.